Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Tale of Berseria. J'espère que vous allez tout bien car moi ça va super et notre expédition est déjà rentrée, c'est magnifique quand ça arrive comme ça. Le son est un peu bas, non c'est bon, je sais pas, attendez, je vais monter un petit peu le son, j'ai un peu peur qu'il soit trop bas, voilà. Oh, portrait des trois gardiens. Une œuvre en vitrail, nanana, également connue, nanana. Ah, elle est jolie. What? On a appris... Attends, c'est moi ou on a appris la compétence... Ah non, supercherie, j'avais compris... supermarché. Augmente les chances de trouver de la nourriture rare, peut-être bien encore une de ces supercheries. Ok. Ah, on a tout trouvé là-dedans, hein. Il était joli le truc. Bref, je veux juste pour commencer. Non, on n'a pas assez, ok. Et ensuite, eh bien, on va continuer l'histoire, hein, les amis. C'est parti. Oui, si, c'est bon. Là, par là. Hop. C'est par là.古文書の解読は進んだ。ええ、坊やのおかげでね。グリモ先生の教え方、そんな風に言われると、あ、大きくなっちゃう。ああ。読んであげて。古文書に書く。はい。八つの首持つ大地の主は、七つの口で汚れを食って。 無明に流れる地脈伝い。いつか目覚めの時を待つ。四つの聖種に裂かれても、ミーツに通じる人あらば、クマのクーマは生え変わる。黄色の月のミチルを望み。イミナの聖種、心は一つ。イミナの聖種。 Il y a quelque chose à faire avec les sept îles. Kanomushu o arawasu zutto kazoeta. Mottaiburazu ni sono chūshaku. Gomen. Mada kazo. So. Zenbu kaidoku suru ni wa kanari jika. Da ga seiryō no mokuteki to nerai o shiru tame ni wa juyō na jōhō da. Seiryō no mokuteki to nerai. Kashi dake demo. ある情報。図にある首は全部で8つ。1本が本体で、他の7つは彼主の口。7つの口は汚れというものを食し、地脈経由で本体に。そういう性質を持つ7つの魔物をクーマと呼ぶ。 汚れが何なのかは分かります。後半部分はどうか。古代史はあまり詳しくないのですが、この世界を作ったのでも、カノヌシも聖カノヌシと他の妖精種の間に争いが起こり。じゃが、ミーツ、神の意向にかなうものが、お眼鏡にかなった同志アルトリウスが。なら、7つのクーマを探し出して。だがクーマはどこにいる？ この歌によれば、クーマとカノヌシに餌を送る口なら、地脈点、地脈の力が集中すると、この印の場所って、ねえ、この虫がいた場所に、まさかこの虫、いえ、だとしたらあと利休にも同じ。 クーマ。ローグレスへ行って確かめるか。解読を始めたばかりだし、焦って無駄足を踏み、古文書の中身をもう少し知って。何か気になるの。クーマが生え変わるって。ワグジュリンの時と同じ感じがした。
Terion dans le coin. C'est peut-être un détecteur de Terion. この方角は聖女アメノチの聖伝パラミデス。聖伝や祭壇は霊的な力に満ちた地脈点を意味している可能性はありません。地脈点は世界中に数多くある。クーマが解読を無意に待つ気はないわ。ライフセットの感覚ひょっとしてだけど。 何? どの道確かめた? Donc on va partir direction le temple. Mais visiblement, il y aurait quelque chose à voir avec les... Alors, les Terrions, c'est un terme qui me parle. Et je sais plus d'où c'est. Je crois que c'est Tale of Berzerian. Hein. Je vais pas... Je sais que je dis beaucoup trop souvent que... Je mets trop souvent Tale of Berzeria en avant, mais je crois que c'est Tale of Berzeria que ça me dit quelque chose. Hein. D'ailleurs, on a parlé de malveillance. Hein, et la malveillance, clairement, ça c'est Tale of Berzeria. ご一緒なのに用があるなら会いま。あ、聖霊を問います。エレノア、人探しをお願いしたいのです。ある親子が聖霊の施設に行ったまま、二人とも行方不明。母親はアメノチ様の巫女マヒナさん。 アメノチ様の御子ということ。はい。アメノチ様の聖殿が接収されたから、でも、ある日帰ってこなく、きっと、マヒナさんを探しに行ったんだと。その二人が。いえ。でも、あのマヒナさん御子の後継者として、厳しく育てていましたが、本当に妹の抗議のことはお許しください。どうか、聖霊の。 Quoi? Elle vient dire que l'auberger c'était une fille? Je crois que c'était un mec. Bon. Je croyais que l'exorciste c'était... pas l'exorciste, la... L'auberger c'était un mec, mais visiblement ça devait être une fille. エレノア、親子の件は私が、それはいい。では、私が聖霊の計画を潰そうとしてるのに、私が故意に誤った方向へ誘導し、罠にかけよう。そんな罠でどうにかできるほど、私は今この世界で起こった、悔しいけど、 私は真実を教えてもらえるほど信頼だったら、自分で見つけ出すしかない。自己分析はできてるのね。聖霊が表の道なら、あなたたちが裏の道。だから、私たちに嘘をつく必要はないって。はい。真実の、あんたの、今は、はっきり言うのね。ええ。 俺も何？クーマに。お前、前に自分のこと知らない。アルトリウス気にならないのか？あんたは気にならない？いや、全然。妙な奴が。し。おい。まったく、正反対のお二人がぶつかるのは仕方がないとしても。 反対かな。エレノア様が白百合なら、エレノア様が
Pas mal. Alors, on a un coffre et le seul coffre qu'on a, il est là-bas. Bah, c'est parfait. Alors, on va juste essayer de pas se tromper, hein, de chemin. Pour une fois, ce serait pas mal. Hein, qu'on évite de se retrouver comme lors de l'épisode précédent, ce serait plutôt pas mal. Enfin, l'épisode précédent, il y a quelques épisodes de ça quand même, mais enfin, vous avez compris le truc. Hein, parce que ce serait un peu emmerdant de se retrouver une nouvelle fois à chercher où est notre place et tout. Non. Pff, Naga. Alors, écrit la terre. Allez, c'est parti. Hop. Ouf. Génial. Oh mais non, on peut un art mystique sur elle. Elle était pratiquement morte. Ah, parfait. Du coup, on l'a... Oh, c'est parfait, on l'a mise en... On l'a... Parfait. Ça, emballé, c'est pesé. C'est bon, arrêtez avec vos... Hey, on a la pause, on est des gars trop cool. C'est bon, vous êtes des démons, arrêtez un peu parfois. Hein. Arrêtez de vous donner un air cool, hein, les mecs. Vous êtes des démons. Hein, des putains de monstres. Hein. Tenez à votre carrière, bordel. Ça m'énerve, les gens comme ça m'énerve. Et nous, on est des démons, mais on est gentils. Non, vous êtes pas gentils. Kaito qui s'énerve tout seul. Bref, on va aller se faire le petit code rouge. Ce qui est une bonne nouvelle d'avoir un code rouge parce que... Ouh. Alors là, il y a du code rouge, hein, les amis. Là, là, il y a du code rouge. Hein. Oh là là, et il me rappelle le boss annexe dans Tale of Zestiria, les amis. Je peux pas vous mentir. Alors, je vais juste aller voir avant de le battre. Pendant Tif Express, parfait. Ouais, je sais, normalement, ça aurait dû être l'inverse, mais... Alors, point faible, la terre, il a une résistance. Il a une... C'est quoi ce monstre? Non, mais je veux dire, regardez-moi ça. Il est immense. Il est immense. Non mais c'est impossible. Ouh, on a réussi. Ah, je sais pas quoi faire, mais on a réussi à faire quelque chose. Hein.
Ok. C'est toujours pas bon. D'accord. Alors, il est un peu plus compliqué. Ah, il est quand même niveau 32. Hein. Je sais pas nous niveau combien, mais je pense qu'on doit être quand même un peu loin du niveau 32. Hein. Bon, et vous me direz, il a déjà pratiquement perdu 10 000 points de vie, certes. Mais tout de même. Ah là 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 là. On a été on est empoisonné en plus là. Putain, je perds masse de vie quand même. Ah, parfait, un arc mystique. Ouh. Eh, d'ailleurs, ça me fait penser que nous aussi on peut utiliser notre arme mystique. Alors, vous savez quoi, on va l'utiliser quand il sera plus en. Voilà. Petite arme mystique. Utilisation. Bam. Ouais, il reste 10 000 points de vie, les amis. Je vais pas mentir. Je pense que. Bon, voilà. Même s'il aurait été plus long qu'autre chose. Mais voilà, ça va. C'est pas. Il a pas été imbattable. Donc. Voilà, c'est parfait. Il reste pratiquement plus de PV de toute façon. Donc. Il reste 3600, ça va. Ah là 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 là. Ok, par contre j'ai pris méga cher. Ouais, ce serait bien qu'on me soigne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce serait bien qu'on me soigne. Ok. Non. Ok, on va le tuer. On profite. Ok. Parfait. Marcheuse de l'ombre, on s'en fout. Les bottes sont bonnes, ouais. Glacis du perturbateur. Confère un coup de puissance à un conféré lors d'un brisame en mode difficile ou supérieur. Oui, bon. Écoutez. Alors, du coup, niveau équipement. On a les bottes qui sont. Qui sont bonnes. Donc, on va les retirer parce que, du coup, les bottes d'amphibole. Tout le monde ne les a pas. Ici, du coup, on va lui mettre les bottes d'amphibole. Voilà. Toi, t'as l'anneau de flamme qui est maîtrisé. On va te mettre ça. Toi, on va te mettre ça. Voilà. Ici, on va te mettre l'antipoison. Ah, les bottes de fluorite sont. Oui, alors bon, les bottes de fluorite, on les a pas encore. Le pendentif simple est bon. Voilà. Et ben, on est parfait. On est parfait presque, hein, quand même. On va pas oublier notre cher Velvet qui s'est battu corps et âme et qui a pris masse de dégâts. Hein, voilà. Donc il était niveau 32, je crois que j'avais dit, et on est niveau 26. Donc bon, quand même ça va. On n'est pas trop, en niveau, je pense qu'on est bien. Après, peut-être qu'on n'est pas bien du tout. Hein. Après, peut-être que c'est vraiment le fait que j'ai acheté les DLC qui font que je sois bien. Parce que sinon, il faudrait que je fasse des grosses séances d'XP. Un petit peu à la Tale of Zestiria.
Ouais, j'ai vu qu'il y avait une fleur rouge, mais je vais pas la chercher parce que. Parce que la raison fait que je n'irai pas la chercher. Oui, non, bah oui. Tiens, d'ailleurs, on est. On est à temps. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez le bail. Je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde.